Bienvenue sur les championnats de France 1992. Nous sommes sur le circuit d'Avize dans la Marne, donc un circuit assez rural mais avec deux petites bosses, donc un circuit difficile. Et nous avons deux hommes à l'avant de la course dans le dernier tour. Il y a Jean-Philippe Dojva, le vainqueur du Tour du Luxembourg, et Luc Leblanc de la formation Castorama. Mais vous avez vu que Luc Leblanc a distancé dans cette bosse le coureur de la formation Eremo. Derrière, on voit surtout Laurent Fignon qui organise la poursuite, le coureur de la formation Gatorade. Fignon a donc rejoint Dojva. Il y a avec lui aussi Colotti, Thierry Marie, un autre coureur de la formation Castorama, et Richard Virenc, ainsi que Gérard Ruet. Mais c'est surtout un gros travail de Laurent Fignon. L'écart n'est que d'une dizaine de secondes avant la deuxième petite bosse de ce circuit. Et là, on va voir que dans le groupe de chasse, on commence à ne plus s'entendre, tandis que Luc Leblanc, lui, continue son effort en solitaire. Il a été impressionnant lors de ses championnats de France, Luc Leblanc, pour rappel qu'il avait remporté quelques semaines auparavant le Grand Prix du Midi Libre avec le classement général, donc le prologue et la quatrième étape. Il avait aussi gagné le Tour du Haut-Var en 90, et on n'oublie pas son excellent Tour de France 1991, conclu avec la cinquième place au classement général. La formation Castorama avec Ruet, Leblanc, Bourguignon, Marie ou encore Bouvatier ont réalisé une extraordinaire course collective et Luc Leblanc décroche ainsi son seul et unique titre de champion de France, lui qui avait fini deuxième en 1987. Et derrière, eh ben on continue le show Castorama avec la deuxième place du rouleur et spécialiste des prologues, Thierry Marie. Et derrière, ben c'est Colotti qui va régler le reste du petit groupe et prendre la médaille de bronze de ces championnats de France. Colotti qui faisait partie de la formation Z. Et maintenant, on se concentre sur le top 10 de ces championnats de France. Leblanc, Marie, Colotti, Fignon, Dojva, Virenc, Ruet, Bourguignon, Le Marchand et Éric Pichon.